Le duc de Sussex doit revenir des Jeux Invictus en Allemagne via Londres, lui ouvrant une fenêtre pour potentiellement rencontrer son père. Le prince Harry pourrait rencontrer le roi Charles pour des pourparlers de paix à Londres le mois prochain, mais l'épouse de Harry, Meghan Markle, ne devrait pas y assister, selon une source royale. Après la fin des Jeux Invictus à Düsseldorf, en Allemagne, le 16 septembre, Harry doit rentrer en Californie via Londres, à peu près au moment où la famille royale devrait revenir de Balmoral. Le voyage reporté du roi en France ne devrait pas partir avant le 20 septembre, ce qui signifie que le couple pourrait être tous les deux dans la ville pour le 17 septembre, et le personnel royal aurait prévu de se rencontrer. Une source royale a dit OK. Le roi Charles doit rentrer à Londres de Balmoral à la mi-septembre, ce qui correspond à la fin du voyage de Harry Invictus Games à Düsseldorf. Le roi a une visite officielle reportée en France le 20 septembre, il a donc quelques jours à perdre à Londres pour rencontrer son fils. Le personnel essaie de peaufiner les détails au moment où nous parlons. S'ils se rencontrent, ce sera la première fois que Harry aura une conversation en face à face avec un membre du cabinet depuis la publication de ses mémoires Spare, qui ont fait des allégations accablantes contre sa famille. Alors qu'ils s'est brièvement rendu à Londres pour assister au couronnement du roi en mai, ni Meghan ni leurs enfants ne l'ont accompagné et il est rentré aux États-Unis dès la fin de la cérémonie. Meghan n'ira pas à Londres cette fois mais elle assistera aux Jeux Invictus avec Harry, où ils participeront tous les deux à la cérémonie de clôture.